Allô. Bonjour. Bonjour. Je viens vite fait faire. Je vais cliquer là-dessus. Voilà. Faire les jeux du calendrier. Et j'en profite pour flex avec ma version rallongée de la musique de Sonic Frontiers. Coucou Nathan. Je vais un peu baisser quand même. De toute façon, ça arrive à la fin. Bon, par contre, je suis pas sur la bonne fenêtre et je suis pas dans l'ordre. Normalement, ça commence avec Shay Robots. Oui, c'est ça. J'ai dormi, oui, mais enfin. Avant, quoi. C'est pas encore l'heure. C'est un peu plus fort, ça. Deux secondes. Allô. Donc, transition. Nous avons ici jour 6. Non, 7. Je sais plus. T'as redormi un peu, ça va. Entre horizon et maintenant. Ouais, c'était jour 7, mais jour 7, il y en a deux. Et donc, le premier, c'est Shay Robots par Karnax. Karnax. Les robots sont timides. Est-ce que tu peux les rendre heureux? Ben, on va voir. Action avec X. Qu'est-ce que... Pourquoi t'as sorti un emote par accident? Qu'est-ce que... Ça, c'est un peu mon état d'esprit quand tu parles de horizon. Donc ça va. Alors, les robots sont malheureux. Lui, il est content. Lui, il est content. Ah, ils veulent pas se voir. Pourquoi t'es pas content, toi? Est-ce que t'es trop proche de lui? Ouais. Donc, ils doivent être... Il faut pas qu'il soit autour d'eux, donc autour en 8, on voit, ça capture, ouais. Il faut pas que ce soit autour d'eux comme ça, et il faut pas que ce soit dans leur ligne de vision, si je comprends bien. Donc, genre, toi, comme ça, ah bah non, undo, toi, t'es là, toi, t'es là, toi, t'es là, oups. Et toi, t'es là? Hey! Oh, bah, ça va. J'ai assez vite compris la règle de. Du truc. Donc, après, ça a été quoi. C'est bien ça, hein, c'est diagonal et pas plus. Ouais, et puis. Ok, bon, bah, ça allait. Je sais pas. Je vais juste vérifier ici. Non, parce que lui, il est d'accord. Donc, c'est vraiment la diagonale d'un cran. Pas de plus. Donc chez Robot par un nom imprononçable. Karnaxi. Soit. Le deuxième jeu du septième jour, c'est... Il y a des astuces si on est bloqué. Donc le jeu s'appelle Gridbender et c'est par Nexator. Nexator. Les pièces peuvent se déplacer en ligne droite. Qu'en est-il des lignes droites sur des espaces incurvés? Un est le morceau. Space bending puzzle, d'accord. Et il y a un indice si besoin. Oula, je m'attendais pas à ça. Qu'est-ce que... On voit ça? Oui, on voit. Donc il y a... Je sais pas si on voit bien, mais ça... De bouger le truc là, ça incurve un peu l'espace ici. Mais je peux pas le bouger plus. D'accord, donc. Elles peuvent se déplacer d'en bas. Et toi, tu dois aller à la sortie.
ça bloque. Je sais pas si je suis censé pouvoir déplacer plus le truc ou si ça bloque à cause de ça. Ah! Ah oui! D'accord. Pourquoi cet endroit, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe du coup si je fais ça? Toi. Ah! Ah d'accord, et donc ça, maintenant c'est loqué. Parce que lui est dedans. Mais lui, il peut bouger là. Ok. Non, je peux plus l'ouvrir parce que lui, il est là. Pourquoi cet endroit? Et est-ce que je peux faire autre chose que juste ça? Là. Ah, lui, il peut... Ouais. Toi, tu viens là, du coup, toi, tu descends. Hop. Tu remontes. Et maintenant... Toi. Non. Non. J'aimerais bien que tu sois... Que toi, tu ailles ailleurs. Ah, mais toi, maintenant, tu peux venir là. Oui. Toi, tu peux remonter, voilà. Ensuite, toi, tu viens là. Je sais pas pourquoi. Non, toi, tu viens là. Toi, tu viens là. J'ai aucune idée de ce que je fais. Est-ce que j'ai un moyen pour t'ai-je? C'est toi qui gêne là. Ok, on va y arriver. Toi, tu viens. Voilà. Hop. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas du tout ce que je voulais. Oh l'enfer! Qu'est-ce que c'est que ce jeu encore? J'ai tout cassé. J'aimerais bien redescendre lui, mais je sais pas ce que. Je sais pas ce que j'ai fait. Comment? Toi t'étais ailleurs, toi t'étais genre... On va recommencer. On peut reset. Run game. Ok. Bon, au début je peux bouger lui à volonté, et là je peux rien faire. Comment on commence? Comme ça, comme ça, comme ça. Ok. Donc au début, on débloque lui pour débloquer lui. Ensuite, toi, on va t'envoyer ici tout de suite. Voilà. Toi, tu descends. Non. Reviens là, toi. Toi, on t'envoie en haut d'abord. Et ensuite, toi, on t'envoie ici. Toi, ici. Toi. J'aimerais bien en faire tourner d'autres. Toi, il faudrait un état intermédiaire où je te glisse un cran plus loin. Et donc, il faut que je me débarrasse de lui. Et donc, de lui. Et donc, de lui. Ok, on va essayer. Tac. 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 Merde. Ah. Ok, je crois que c'est ça. Si lui, j'arrive à le mettre là,
Je peux libérer lui et je sais plus. Mais pour ça, il faut que je remonte encore un peu. Ah, comme ça. Je sais plus qu'est-ce que je faisais. J'ai oublié. D'intermédiaire, hein. Non. Ça change tout ça. Parce que maintenant toi, tu viens là. Non, ça change que dalle. À moins que. Mais si, c'est ça que je voulais, je crois. Presque. Ok, et toi? Ah non, c'est là que tu vas. Et dans l'autre sens, c'est pas bon. Ok, donc, ouais, il faut que lui soit en haut. Ce qui devrait pas être un problème. Voilà. Toi, tu viens comme ça. Ah mais non, t'es encore sur le chemin. Je pensais qu'il serait un tout petit peu plus loin. Ok, ok, ok. Je crois que je vois un truc. J'aimerais bien me débarrasser de lui. Le problème, c'est que. C'est bizarre qu'elle soit pas indiquée spécialement cette zone. Comme ça. Tu peux remonter. Tu peux redescendre. Lui, faut que je le mette là, je crois. Merde. Ok, je vois le problème. Okay, parce que toi, tu dois... Si tu passes par là. Ok, toi, tu passes par là. Ensuite, comme ça, toi, tu viens en dessous. Ok, là, là. Là, c'est pas mal. Sauf que là, lui, il peut plus bouger. Si, parce que... c'est pas ce que j'avais tout à l'heure, en fait, ça. Ça me rappelle une situation un peu trop récente. Et si je fais ça étape par étape. Et maintenant. Et maintenant. Toi tu viens en dessous, au-dessus, toi tu remontes. Et c'est exactement ce que j'avais avant. Sauf que. C'est cool. Qu'est-ce que j'ai foutu? Pourquoi c'est bloqué? C'est là? C'est là. C'est là. Ouais. Ça avance pas beaucoup. Toi, je peux pas t'allonger. Donc il faut que toi tu sois allongé de ce côté et que toi tu sois ici. Ce qui veut dire que là, il y aura un 2. Et toi,
Si tu viens comme ça et qu'ensuite tu viens en dessous, toi tu peux venir là. Faut que je me redébarrasse de lui. Non, c'est toujours lui qui pose problème en fait. Est-ce que je... Dans l'autre sens. Toi. Non. Oh, c'est compliqué ça. Toi, tu dois aller là pendant que lui il est en dessous. Si tu remontes, pour l'instant. Toi, tu viens là. C'est ce que j'avais au début. Non. Toi. Lui, je peux pas m'en débarrasser. Lui, il est dans son coin. Il sera toujours là. Sachant que les barres verticales, si elles deviennent horizontales, c'est en bas. Il faut que je le tège en haut. Sauf qu'en haut, il y a lui. Lui, je peux pas en faire grand chose. Donc, il faudrait que je vire lui. Pour l'instant. Ok. Donc, pour ça, il faut que je vire lui. On va partir là-dessus. Donc. Toi. Tu vas venir là. Toi, tu viens là. Et toi, tu reviens là. Hop. Ok, ça c'est fait. Est-ce que c'est bien? Je ne sais pas. Ça a l'air nul. Parce que je suis complètement bloqué maintenant. Ah non, pas complètement. Ok, toi maintenant tu repars ici. Toi, tu repars ici. Toi, tu viens ici en attendant 2 secondes. Non, ça marche pas. Comme ça. En attendant... Il faut que je descende les 2, les 3. Ok, si je fais ça, lui, il peut descendre. Mais il faut que je descende lui en même temps. Comment je peux faire ça? Il faut qu'un de vous deux redevienne vertical. Et que toi, tu te mettes en dessous. Je crois que je vais devoir faire ça par étapes. Je sens que je tiens le bon bout là. Toi tu viens là, comme ça. Toi tu pourras venir là. Ce que je veux maintenant, c'est lui un cran plus bas. Et j'ai juste à virer ça. Et toi, t'es pas sur une ligne que je peux virer par contre. Non, parce que si toi tu peux monter, c'est que lui il est tout en bas, donc c'est pas bon. Et ici toi. Ok. Ah mais c'est toi qu'il faut que je... Où est-ce que je peux l'amener? Ah, après. Il est pas facile. Pas facile. Ça joue à juste un truc, un seul carré. Est-ce que je peux te mettre ailleurs en attendant, toi? Non, pas vraiment. Juste là. Si je te mets là, ça veut dire que eux, ils sont bloqués. Ils sont pas bloqués. Ah vache. Bon. Maintenant que j'ai ça. Toi, tu peux monter. Vous pouvez venir là. Toi tu viens là-haut, voilà. Toi tu viens là, toi tu viens là, toi tu viens là. Yes! Eh ben. C'était chaud. C'était chaud. Merci, merci.
Et du coup, ouais, le fait de voir l'indice, enfin le truc là qui disait indice des étapes intermédiaires, je me suis dit je vais chercher les étapes intermédiaires. C'est ça qui m'a aidé un peu, de savoir quelle pièce il fallait que je bouge absolument, parce que d'habitude je suis complètement nul à ce genre de truc. Pas aussi nul que Citram au taquin, mais assez nul quand même. 2 secondes, j'ouvre ça pour voir à quoi ressemble l'indice. D'accord, l'indice c'est ça. Je sais pas si je peux bouger. Non, je peux pas vraiment bouger. Bref, il y a 3 images avec les étapes différentes. Ça dit pas exactement quoi faire, mais ça dit dans quel état doit être le jeu. Bref. Hop. Et enfin, celui d'hier, qui du coup est le jour 8. Entre-temps, il y a peut-être un nouveau jour qui est apparu. Est-ce que ça a été annoncé? Il faut que je regarde sur Discord aussi parce que je crois qu'ils annoncent un peu plus. Ah bah voilà, il est posté à la seconde près et il y en a 2. Donc je vais tout de suite les ouvrir. Je ne sais pas s'ils seront sur la page Itch tout de suite. Alors voilà, hop. Mais d'abord, jour 8. Jour 8. Faut que je suis perdu dans mes fenêtres. Hop. Donc le jour 8, ça s'appelle Wire Power par Beke. Beke. C'est la personne qui fait les mises à jour des jeux tous les jours d'ailleurs. Wire Power qui est un jeu de mots avec Higher Power. Un écran, un niveau, puzzle script. Compléter un circuit. Ok. X to select. Le joyau à ma droite. Toi? Donc je veux arriver là, mais en faisant tout le tour, c'est ça? Ça, c'est ce que je veux et il faut que je passe par là. Et ça, j'imagine que ça va sur les boutons. Ok. Ah, faut connecter. J'avais essayé de faire un truc comme ça dans Dreams. Enfin, j'avais fait un truc comme ça dans Dreams, mais c'était vachement limité parce que. Parce que voilà, c'est Dreams et. Je sais pas comment on fait ça, moi. Mais... Ok, je veux juste voir si. Non, on peut pas allumer avec soi-même. Donc il faut. Soit utiliser les blocs pour compléter les lignes, soit les mettre sur les boutons pour ouvrir des portes. Ok. Donc là, j'avais pas le choix. Room 1. C'est un peu de la triche, hein. Ça va parce que c'est un seul écran, mais. Donc clairement, toi tu vas en bas. Toi tu vas là. Toi tu vas là. Et toi tu ouvres la porte. Et je gagne ça. Ça me permet de compléter cette ligne et d'activer avec lui. Room 2. Au moins, je sais que je vais dans l'ordre. Est-ce que là, il y a un fil? Non. Ok. Ah, il y a une feinte. Il y a une feinte. Il y a trop de lignes pour ce que c'est. Si je le mets là, est-ce que ça remplace? Parce que j'ai pas de morceau vertical et j'ai pas de morceau qui remonte. Yep, ça remplace. Rigolo. Rigolo. Maintenant que j'en ai un qui va dans le sens là, je peux faire celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a 2 portes en même temps. Toi, il faut 2 lignes. Toi, t'es un peu bizarre.
que je vais devoir séparer les lignes? Non, bah non, pas possible. Ok, je crois que je vois. Non, je vois pas en fait. On peut pousser plusieurs trucs d'un coup, c'est pratique. Viens ici, toi. Ok, réfléchis. Qu'est-ce que je veux faire ici? Est-ce que si je fais ça... Ok, c'est ça l'astuce. Donc j'appuie sur un bouton qui me donne deux fils en même temps. Je fais n'importe quoi. Ok. Et donc toi, tu es le dernier. Est-ce que on peut faire normalement? Oui. Ah. Et je viens de voir là que le dernier, lui, il a pas de fils qui y vont. Donc il faudra faire son propre fil. J'imagine que c'est ce que je vais apprendre ici. Non, même pas. 4. Il est rigolo celui-là. Même si c'est un peu de la triche de faire 4 sous-niveaux comme ça. Alors celui-ci, il est entre guillemets facile, sauf que je peux en activer qu'un à la fois. Et si je viens là, ça marche pas. Qu'est-ce que je peux faire ici? J'ai peut-être une idée. Est-ce que je peux ouvrir la porte de l'extérieur? Si je suis là... Non, j'ai pas de ligne horizontale. Il faudrait une ligne horizontale pour ça, c'est pas possible. Par contre, toi... Non. Non, c'est absurde. Je peux pas te ramener de l'électricité sur toi. Comment faire? Clairement, toi, t'es trop loin. Si je te rajoute ici, ça fait rien. Non. Ouais. On peut pas faire une ligne qui diverge. S'il n'y a pas moyen de l'extérieur, mais je peux pas avoir d'autres blocs et eux ils peuvent vraiment que faire ça. Puis même si j'ouvrais ici, ça me permettrait pas d'avoir accès au reste, parce que pour venir là faut que je le pousse dans le coin. Avec ce truc là, je sais pas si ce sera plus simple pour ça. C'est quoi, je pourrais faire un carré? Toi, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme... Ouais, si, ce sera possible, je crois.
Donc il n'y a pas de super astuce ici. Je le vois vraiment pas là. Qu'est-ce qui se passe si j'ouvre déjà ça? Je peux venir à là. Est-ce que je peux faire quelque chose avec lui? Je peux le mettre ici. Et qu'est-ce qui se passe si... C'est pour ça qu'il y a des... Je me demandais pourquoi il y avait des espèces de 16 de 4... De 4 espaces. Pour pouvoir passer. Ok. Bon, du coup, toi, tu viens là. Toi, tu vas là-haut avec lui. Ouais, ça marche. Et vous, peut-être là-haut. Ah mais non, ça marche pas. Il m'en manque un. Damn. Merde. Pas que j'utilise lui parce que j'en ai besoin après. Toi, tu viens là. En fait, ça change. Je crois pas qu'on puisse se bloquer. Bon, voilà. J'ai les 4. Est-ce que je peux faire mieux? Oui. Non, parce que quoi qu'il arrive, ça bouffe tous les blocs. Et là, je peux pas en sortir plus. Dans les autres salles non plus. Qu'est-ce que j'ai appris? Des trucs du genre. Ça marche. Ah non. Ah, il faut que ce soit... Ouais. Mais du coup, ça... Ah oui, ça allume même pas les côtés. J'avais même pas tilté ça. Ok. Comment faire? Là, je suis en train de me dire cela par exemple. Je pourrais en ramener un là, ouvrir la porte de l'extérieur, mais ça servira à rien. Ouais, complètement inutile. Je peux pas juste mettre lui, je crois. Évidemment, je pourrais pas voir comme ça. Forcément lui. Ouais. Allez, dégage du mur. C'est pas grave, je trouve pas. Quoi qu'il arrive, je crois que ce sera ça le bout. Ah mais non,
Je peux faire avec 3. J'en ai combien? J'en ai 5 en tout. Si je vais de l'autre côté. Mais oui. Si je profite des lignes, là j'ai juste à mettre le vertical. Et voilà. Donc il faut que je le pousse. Hey! J'ai gagné. C'était bien, c'était rigolo. Merci. C'était donc A Wire Power par Biki. Hop. Alors, on passe donc. Non, c'était déjà la. Ouais, c'était déjà le jour 8. Ok, et donc là, jour 9. Donc, aujourd'hui. Ils sont un peu... Ouais, non, ça devrait aller niveau taille. Donc, Strength par Cindy Byrne. X2 Action. Rien de spécial. Voyons voir. Si j'appuie vers le haut, ça fait monter la force. Il y a 16 niveaux. Non, 12 niveaux. Et quand je bouge, ça descend d'un niveau. Ok. Donc faut que j'essaye de conserver. J'ai l'impression qu'ils vont faire des maths. Ok, toi je vais en mettre 5. 3. 1. Merde. Je pense qu'il faut juste remplir le carré intérieur là. Pourquoi j'ai pas réussi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai mis un en trop sur le dernier, mais il se serait vidé. C'est encore pire. Qu'est-ce que j'ai foutu? 5, 3, 1. Oui, ce serait bien que je compte. Là, j'en mets 3, je fais 1, 2. Ok. Donc le dernier, il doit en avoir 3. Si le dernier en a 3... C'est-à-dire que celui d'avant doit en avoir 4 en trop, 7. Ok, on va essayer. Donc toi t'es au max. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 1, ok. C'est pas 7, c'est 6. 4, 5, 6. 1, 2, 3. Merde, et c'est le premier qui se vide. Je peux faire une diagonale. Ça n'aide pas des masses. Si je fais comme ça. Hop, là j'en mets 7. Ah, c'est toujours pareil.
si là j'en rajoute un et tout le monde qui crève. Je sais pas comment j'ai fait ça. Bon, j'ai un peu brute force sur la. je saurais pas expliquer pourquoi ça a marché. J'ai juste vu ah, ça peut marcher, donc je vais en mettre un avant et un après. Oui, hein, je suis resté très pro. Oula. Celui-ci c'est Nucleus par Sting by 12. Je suis une cellule. Je peux pousser mon noyau. Ah bon? Ok. Qu'est-ce qui se passe? Je peux me déplacer. Quand je fais ça, c'est un peu bizarre. Hein? Ah, d'accord. Ok, donc on peut pousser des trucs de à l'extrémité de notre cellule. Un peu étrange. Mais là je peux pas descendre, donc il faut le pousser avant. Ok. Oh là là. Dégage 2 secondes. Ok, donc toi t'es en place. Et maintenant ça va pas du tout être galère parce que voilà, toi t'es dans le coin maintenant et je peux plus te déplacer. Toi t'es pas compliqué à avoir. Oups. À l'aide. Oh, quel enfer ce jeu. Restant. Ah oui, j'étais même pas au bon endroit. Je sais pas si je vais réussir à le finir celui-là. J'imagine qu'il doit y avoir un moyen de réfléchir aux mouvements que font les cellules. Et donc de prévoir ses coups à l'avance. Mais ça risque d'être compliqué. Donc ça c'est mort, je veux pas qu'il soit dans le coin. Si c'est dans le coin, c'est fini. Or, là je suis bloqué. Donc là en gros je peux pas monter si je suis comme ça. Faut pas mettre celui-là au bout tout de suite. Comment faire? Et là, je peux plus passer. Si je peux faire ça. Ok. Toi, tu montes en attendant. Non. Horrible idée. Ok, viens là. Ouais.
Allons faire. J'aimerais bien que tu... Oups. Non, c'est exactement ce que je voulais. On va pas faire semblant de pas savoir ce qui se passe. Toi, tu montes maintenant. Ok. Bon, j'ai jamais réussi à séparer le groupe là-haut. Rien faire. Ah si, je peux faire ça. Ah, je peux peut-être le pousser lui. Ouais. Bon, ça m'avance pas à grand chose. Je peux le faire. Non mais c'est méchant comme jeu ça. Ok. Ok. Je les ai encore plus bloqués. Le seul moyen de te débloquer, ce serait d'aller en haut, mais en haut, je peux pas avoir accès. Ok. Faut que j'arrive à débloquer tout ça. Tout entassé. Ok. Je vais pas pouvoir faire autre chose. Et du coup là je suis bloqué. Je vois le problème. Et j'ai pas de solution. J'ai l'impression que je me bloque, mais 15 tours à l'avance. Autant recommencer. Ce que je veux, c'est me débarrasser des cubes au milieu. Est-ce que je peux faire une espèce de... Okay, ça, je veux pas. Une sorte de plus. Non, l'inverse. Je veux deux lignes. J'en sais rien. Je sais pas ce que je veux. Toi, t'es foutu. Non, pas forcément. Est-ce que je peux libérer un accès et faire ça? Ça change rien à l'endroit où je commence. Est-ce que je peux de là faire tout le tour? Ouais. Mais ici, je peux pas remonter parce que j'ai créé un trou. Mais est-ce que c'est un problème? Je peux le remettre en bas. De choses, je peux faire ça, mais pas plus loin. Je peux pas reprendre lui, donc je suis super convaincu par ce que je fais là. Et là je suis bloqué parce que si je descends, ça me met dans le coin. Et je peux pas aller à gauche parce que je viens de mettre un truc dessus. Et si je viens là, et ben je fais ça. Par contre je peux ensuite.
Là, faut que je revienne en arrière pour les libérer. Ok. Et là, en arrière aussi. J'ai un peu l'impression d'avoir eu de la chance. Je saurais pas revenir à là où j'étais, mais en fait, une fois que j'ai vu comment les trucs se déplaçaient, j'ai compris le mouvement, et en fait, il y a un mouvement à savoir, et le reste se passe tout seul. C'est quoi? C'était le coin? N'importe quoi. Je sais plus. Je fuis. Je suis pas assez réveillé pour ça. J'ai réussi une fois, ça suffit. C'était Nucleus par Sting by 12. Oui, je sais que je suis en lâche. Non, mais voilà, ça fait presque une heure. Et comme ça, je vais pouvoir faire peut-être une ou deux petites démos. C'est parfait. Donc voilà, c'était le jour 9 du Confounding Calendar. Et je reviendrai dans quelques jours. Avec 3, 4 ou peut-être 5 ou 6 jeux. En fonction du jour. 1, 2, 3, 4... Ouais, ce sera sûrement 6.